Bonjour à tous. Alors, on va commencer doucement la conférence. Bon, il n'y a pas encore grand monde, mais on va quand même commencer. Donc, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez complexe qui est d'essayer de répondre à la question « Peut-on être heureux à 20 ans ? » Est-ce que les générations actuelles qui ont 20 ans en 2023 sont plus heureuses ou moins heureuses que les générations qui avaient 20 ans il y a près de 50 ans ou plus ? Donc, pour répondre à cette question qui est justement très d'actualité, on a avec nous Justine Duval qui représente le collectif « Pour un réveil écologique », donc un collectif d'étudiants et de jeunes diplômés qui travaillent à l'intégration de la transition écologique dans les formations du supérieur et dans les entreprises. On a Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza, qui est un mouvement du bonheur citoyen. On a ensuite Marianne Cam, qui est la créatrice de Domi, une application qui accompagne les familles et jeunes adultes dans le choix du bon psychologue. Et enfin, nous avons avec nous Joël Gréa, conférencier sur les enjeux environnementaux et l'effondrement de civilisation et cofondateur de Mush. J'espère que je vous ai tous bien présentés. Eh bien, écoutez, pour aller dans le vif du sujet, on va déjà poser une première question à l'ensemble de nos intervenants qui est concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la définition du bonheur selon vous ? On va commencer par toi, Justine. Bonjour à tous, merci d'être ici. Alors, en quelques mots, du coup, pour moi, le bonheur, c'est un sentiment de bien-être et de plénitude qu'on atteint une fois qu'on a trouvé une forme de place dans la société et dans le monde dans lequel on vit. Ouais, on va ensuite demander à Joël. Pardon. Ah, est-ce que tu t'as bien le micro ? Allô ? Oui, ça marche. Alors, le bonheur... Moi, je vais prendre un petit peu de recul et venir de regarder d'où on vient. Nous sommes des animaux, à la base. Et le bonheur est un cadeau. Le sentiment de bonheur, c'est pas instantané, c'est le fait de se sentir utile au groupe auquel on appartient. Et donc, fondamentalement, le bonheur, c'est collectif. Et ça différencie du plaisir qui est individuel et instantané. Le bonheur, c'est collectif et sur le long terme. Donc c'est donc j'ai pas dit ce que c'était. C'est se sentir heureux, se sentir bien dans les groupes auxquels on appartient, parce qu'on s'y sent utile pour nous-mêmes et pour les autres. Merci Marianne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bonheur ? Alors moi je vais juste préciser que je suis psychologue parce que tu l'as pas dit. Donc voilà, je suis psychologue de formation. Et alors si on reprend la définition du bonheur en psychologie. C'est vraiment un état de bien-être qui va être subjectif et durable, qui va se caractériser par des sentiments positifs. Et voilà, c'est vraiment là où on fait des fois des différences, c'est que le bonheur, ce n'est pas l'absence de problèmes ou l'absence de souffrance. Et c'est caractérisé généralement par... par différentes dimensions qui, comme tu le disais, sont les relations positives, sociales, et également la réussite personnelle, les objectifs qu'on a dans la vie. Et en fait, ça va être toute cette vision globale de la vie qui va être positive et qui va être le bonheur en psychologie. Et pour moi, déjà dire que la science s'y intéresse et de manière très étonnante, elle donne des définitions. Alors, c'est des définitions complexes, mais en simplifiant celle de l'OCDE, on pourrait dire que pour eux, le bonheur, c'est de la joie, de la satisfaction et de la transcendance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, malgré tout, la définition du bonheur est différente pour chacun. Et finalement, c'est notre subjectivité qui permet de l'éclairer. Et je vais prendre un exemple. Si on est une personne atteinte de déficience mentale, eh bien, on aura peut-être accès principalement à la facette de joie de la vie. Si on a toutes ces capacités mentales et un corps, on peut être dans la joie, on peut être dans la satisfaction, mais peut-être on est enfermé dans un métier un peu robotique dans certains parvis minéralisés de l'Ouest parisien. En caricaturant, mais ça n'est que de la caricature pour nous stimuler, eh bien, on n'aura peut-être pas accès à la facette de transcendance de son existence. Et donc, avec des degrés de conscience variables, on accède, on débloque, comme dans les jeux vidéo, les facettes du bonheur, de la joie à la satisfaction et peut-être à une transcendance. Mais quoi qu'il en soit, il faut délibérer, parce qu'une définition posée par quelqu'un ferait peur. C'est la rencontre de la science et de nos débats.
Et justement, Alexandre, pendant la préparation de nos échanges, tu nous avais parlé d'une fameuse courbe du bonheur en fonction de notre âge. Peux-tu nous dire justement, mais est-ce que selon son âge, on peut être plus ou moins heureux ? Cette question, on est d'accord qu'on s'était dit que tu me la poserais, mais c'est quand même pas très sympa parce que la réponse que j'apporte est quand même pas super pour l'audience. Bon, alors, allons-y. En fait, il y a les psychologues, tu me contrediras ou pas. Enfin, non, tu seras d'accord ou pas, c'est mieux dans ce sens-là. Eh bien, ils interrogent les gens sur leur satisfaction de vie où 0, c'est la pire vie possible et 10, la meilleure vie imaginable. Ils répondent dans des grands échantillons et on obtient des statistiques qui ne sont que des statistiques. Et donc, de 18 à 40-45 ans, donc à peu près mon âge, enfin, je suis 46, donc là, ça descend en continu. Je ris pas par malice pour les jeunes, je ris parce que moi, ça fait, voilà, j'ai des enfants en bas âge, je suis tout le temps fatigué, donc je suis dans le creux. Et puis ça, on rebondit, on tape le fond de la piscine, et puis là, on remonte jusqu'à, de manière continue, jusqu'à 65, 70, 75, 80 ans. Et donc, statistiquement, la facette de la vie qui est la satisfaction de vie, eh bien, diminue, puis augmente. Voilà. Après, ça n'est que la satisfaction de vie sur la joie, le sens, à débattre, mais on peut casser des clichés en regardant ce que nous disent les sociologues. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, on va aller un peu plus dans le vif du sujet, concrètement, parler de, pas concrètement, qu'est-ce qui caractérise la génération actuelle qui a 20 ans, quelles sont finalement les problématiques auxquelles elle fait face, notamment la peur de l'avenir, l'éco-anxiété. On va commencer par toi, Justine, car tu fais partie de cette génération qui a 20 ans en 2023. Tu soulignais justement durant nos échanges l'incertitude du monde dans lequel tu vis et ce qui pouvait te créer une certaine angoisse. Comment tu te sens, toi, aujourd'hui, et qu'est-ce qui peut t'angoisser et faire atteinte à ton bonheur aujourd'hui ? Alors oui, comme tu l'as dit, quelque chose qui caractérise vraiment cette éco-anxiété, c'est l'incertitude du monde dans lequel on arrive, nous, en tant que jeune génération qui arrive à 20 ans, qui doit faire des choix personnels, des choix de carrière, etc. Et il y a en ce moment plein de crises, qu'elles soient écologiques ou sociales ou humanitaires. Et donc ça fait pour l'instant des crises qui sont peut-être un peu localisées, mais qui génèrent énormément d'instabilité. Et c'est très dur pour notre génération de faire des choix, notamment, par exemple, si on prend l'exemple de la carrière, de savoir, dans un monde qui est complètement, enfin, qui devrait être en changement, en tout cas en transition, qui devrait avoir des objectifs différents de ceux qu'il a aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quel choix de carrière faire, quel choix d'études faire pour développer les compétences qui seront peut-être utiles à demain. Et en fait, comme l'a dit Joël au début, nous, on veut se trouver une utilité sociale dans la société et ne pas savoir par quel chemin passer pour y arriver. Ça, c'est vraiment difficile. Je rajoutais un autre point, plus du côté du coup de l'écologie, ce qui génère cette angoisse aussi, c'est la prise de conscience de la réalité des enjeux et le décalage qu'il y a entre cette gravité et les moyens qui sont mis en œuvre par les entreprises, par l'État, qui sont complètement insuffisants. Et donc, en tant que jeune, on peut se sentir impuissant parce qu'on n'est pas encore... on n'est pas encore aux manettes, du moins dans nos vies professionnelles, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est générateur d'anxiété. Justement, Joël, toi, tu as beaucoup étudié l'éco-anxiété. Quelles sont les répercussions concrètes de l'éco-anxiété aujourd'hui chez les jeunes et comment tu peux un peu plus définir le propos ? Alors déjà, moi, j'ai une bonne nouvelle. Le terme éco-anxiété est en train de disparaître. Me corrigera, mais on lui préfère de plus en plus. Alors déjà, le terme officiel à la base, c'était solastalgie, qui n'est pas tout à fait la même chose. La solastalgie, c'est la nostalgie d'un futur qu'on nous avait promis, dont on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible. Donc c'était le truc qui existe depuis le plus longtemps dans les études scientifiques en psychologie. Alors c'est extrêmement la pression d'avoir un psychologue juste qui a un diplôme sur un sujet où moi j'en ai pas. Et à côté de ça, il y a l'éco-anxiété qui était... Alors, c'est un très mauvais terme, le terme éco-anxiété. Il vient... c'est éco-anxiety en anglais. Anxiety, c'est un faux ami. Ça veut dire angoisse. Sauf que le terme angoisse est utilisé dans ce contexte-là pour parler de toutes les émotions désagréables. Et il y a un sous-ensemble de l'éco-anxiété qui est avoir des crises d'angoisse liées aux enjeux environnementaux. C'est pas de l'éco-anxiété, c'est des crises d'angoisse. C'est autre chose. Et donc, les gens jouent, et en particulier les climato-négationnistes ou les climato-rassuristes jouent sur cette confusion pour faire croire
que les crises d'angoisse sont liées à la prise de conscience et qu'il ne faut pas prendre conscience. Non, c'est complètement suicidaire de ne pas prendre conscience d'un danger mortel. C'est la dernière chose à faire. Et en fait, nos émotions, elles nous rattrapent. Donc ça prend énormément de force. Je suis désolé de prendre beaucoup de temps. À l'échelle mondiale, il y a une étude qui a montré 75% à peu près des jeunes ressentent au moins une fois par semaine et sont impactés dans leur vie de tous les jours par les émotions désagréables qui sont le fruit de leur peur pour l'avenir, de leur peur avec un S, et en lien avec les enjeux environnementaux. 75%, c'est monstrueux. Mais il y a plus inquiétant encore dans cette étude. 50% considèrent que l'humanité est foutue. Alors ça, la réalité, c'est qu'ils ont répondu à un questionnaire. La réalité, c'est qu'ils mentent. Ils se disent, je pense que c'est foutu parce que comme ça, j'ai rien à faire. Si je pense que c'est foutu, une partie d'entre eux ment. Si c'est foutu, j'ai rien à faire, je peux garder mes habitudes. La réalité, c'est que ça marche pas et c'est une illusion. Si vous essayez de vous mentir à vous-même comme ça, vous n'allez pas réussir. Mais le point important sur l'éco-anxiété, c'est à quoi ça sert. Est-ce que je réponds maintenant ou est-ce que je le garde pour la suite? Oui, vas-y, tu peux répondre maintenant. Nos émotions désagréables, d'un point de vue émotion, ça vient du latin immovere, mettre en mouvement. Nos émotions sont là pour nous dire de changer quelque chose. Pour nous mettre en mouvement. Les émotions désagréables sont là pour nous dire de changer quelque chose. Les émotions agréables sont là pour nous dire de reproduire quelque chose. Je passe du temps avec mes amis, avec mes enfants, j'y prends du plaisir. Ça consolide le groupe. Le groupe sera plus solide pour résister aux agressions extérieures. Ça va augmenter l'espérance de vie et de mes descendants. L'évolution a sélectionné que quand on fait ça, ça nous donne du plaisir pour qu'on le reproduise le plus souvent possible. Donc les choses, quand on a du plaisir, c'est l'évolution. Parfois, elle se trompe, hein, l'évolution. On prend du plaisir à prendre des drogues et ça nous envoie dans le mur. Nous incite à reproduire les comportements positifs. Quand en revanche, il faut changer quelque chose, il y a un danger, on a peur, ou alors on est en colère, c'est parce qu'on veut, on doit changer quelque chose. Donc en fait, c'est extrêmement sain de ressentir des émotions désagréables. Et c'est extrêmement suicidaire d'essayer de les étouffer, sachant que ça ne marche pas. Quand vous essayez d'étouffer une émotion désagréable, elle va rejaillir et vous ressortir à la gueule à un moment ou une autre, sous une façon ou sous une autre. Donc il faut écouter nos émotions. Peut-être, Marianne, tu veux rebondir là-dessus. Toi qui, justement, travailles avec des adolescents qui, justement, peuvent ressentir ces émotions négatives, est-ce que tu es d'accord avec Joël sur ces questions de l'éco-anxiété et comment, justement, ces émotions sont ressenties par les jeunes que tu accompagnes ? Alors, je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que je trouve ça génial qu'on utilise de moins en moins le terme éco-anxiété parce qu'on avait tendance à vraiment pathologiser, oui. Écolucidité. Les faire passer pour des malades. On va utiliser des pareilles phrases. J'ai oublié de vous dire le vrai terme. Hein. C'est l'écolucidité. Et donc ça, c'est génial parce que je pense que c'était vraiment, en tout cas d'un point de vue scientifique, c'était vraiment une erreur. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre les préoccupations et l'anxiété pure, qui est vraiment une pathologie. Néanmoins, il y a plein de choses sur lesquelles t'es abordé. Et oui, il y a 50% peut-être des personnes qui vont dire qu'on est foutu, mais c'est aussi des biais cognitifs en fait. On se protège, et des mécanismes de défense qui font que, je préfère pas voir les choses en face parce que moi, ça me met vraiment mal à l'aise et c'est un vrai mal-être. Et si c'est grave de ressentir les émotions néfastes parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à les gérer. Et moi, j'étais face à des jeunes qui, pour le coup, en fait, étaient vraiment dans des souffrances extrêmes parce que c'est un peu. J'aime bien l'imager avec les étages du bus, c'est-à-dire qu'on a un premier étage où c'est les émotions que je ressens. Et en fait, il y a aussi les émotions que je ressens de ressentir cette émotion. Et en fait, il est là le problème, c'est que du coup, c'est tellement compliqué, et on a l'impression d'être face à des montagnes, que c'est plus facile de rien faire et de partir sur quelque chose d'un peu plus fataliste. Et voilà, c'était mon avis. Alexandre, est-ce que tu veux rebondir là-dessus, toi qui aussi a pas mal étudié l'éco-anxiété ? Oui, en fait, on a produit une étude à la Farwick Spinoza qui s'intitulait « Nature, santé et engagement ». On voulait qu'elle s'appelle « Nature, bonheur et citoyenneté », c'est le vrai titre. Et en fait, on part du même constat
Et au regard des émotions négatives vécues par les jeunes, on rajoute un point qui est que, d'après des gens comme Martin Seligman, quand ces émotions négatives s'installent sur la durée, elles finissent par être incapacitantes. Donc si la colère finit par, par s'épuiser, et les états d'urgence, parmi les trois, il y en a un, c'est la fuite, donc chercher à ne pas résoudre le problème, et l'autre, c'est la prostration ou faire le mort. Ils sont efficaces d'un point de vue darwinien quand on est face à un prédateur, mais face au changement climatique, ils nous rendent résignés de manière apprise. C'est-à-dire que cet état désigne le fait que, cet état désigne le fait de ne plus saisir les solutions qu'on nous apporte lorsqu'elles se présentent à nous, parce qu'on est trop fatigué, trop épuisé, trop découragé. Et donc nous, ça nous amène à dire, il faut absolument continuer à se faire botter les fesses par Greta Thunberg, oui, pour pas avoir une partie de nous qui est climato-sceptique. Mais on dit, on rajoute un deuxième récit qui est, est-ce qu'on pourrait trouver une émotion positive et profonde vis-à-vis du vivant pour nous engager écologiquement? Et on montre dans notre étude qu'il y a tout un corpus de connaissances qu'on résume par cette grande phrase qui est un peu jolie, c'est « on ne protège que ce que l'on aime, on n'aime que ce que l'on touche ». Et finalement, si on veut protéger la planète, il faut l'aimer, si on veut l'aimer, il faut se reconnecter à elle. Donc nous, on propose comme chemin écologique inspirant, de transition écologique, on dit « reconnectons-nous les uns avec les autres, mais surtout les uns, enfin nous tous avec le vivant, pour quitter cet état que les psychologues appellent d'amnésie environnementale ou d'extinction d'expérience du vivant ». Et ce faisant, en ressentant cet élan profond pour la beauté du monde, que les scientifiques qualifient parfois de « oh, waouh, oh, fascination, émerveillement, stupéfaction », eh bien, j'en retire un engagement. Et je terminerai là-dessus. Ce que je dis n'est pas une imprécation, c'est vraiment, les sociologues montrent que si je prends un temps en forêt, devant une étendue d'eau sauvage, un glacier, une nature qui me stupéfie, eh bien, j'en ressors plus altruiste et plus engagé écologiquement. Et il me semble que ce récit-là ou cette approche-là, eh ben, elle peut aux jeunes leur dire il y a un chemin qui vous fera du bien et qui en même temps vous mettra en mouvement. On reviendra juste après sur qu'est-ce qui peut nous rendre heureux et qu'est-ce qui rend les jeunes générations heureuses aujourd'hui. On va rester aussi sur ce qui peut aujourd'hui angoisser les jeunes générations, notamment l'impact des réseaux sociaux. Marianne, toi, tu lis concrètement éco-anxiété et réseaux sociaux et que ça peut justement, on va dire, aggraver ce sentiment chez les jeunes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, je pense que les réseaux sociaux déjà amplifient énormément de troubles, que ce soit l'anxiété ou autre chose. Mais oui, c'est un réel amplificateur parce qu'en fait, on est dans de l'information constante, même de la surstimulation et une saturation en fait des informations négatives. Généralement, ce que je dis moi aux patients que j'ai, c'est faut prendre conscience aussi que les médias sont là pour être vus, pour faire parler et pour faire toujours plus de buzz. Donc prendre du recul et dire ok, mais s'ils font des choses aussi catastrophiques et mettre en avant des choses dramatiques, c'est aussi pour faire du buzz. Mais oui, effectivement, ça joue énormément et ça impacte, comme je disais, beaucoup de troubles et les réseaux sociaux, je sais pas si on en reviendra après, mais oui, forcément. Toi, Joël, justement, tu as une vision assez négative des réseaux sociaux et de comment ça nous impacte globalement, et notamment les jeunes générations qui sont présents d'autant plus. Ouais, alors, moi, j'ai la fâcheuse manie de retenir les chiffres que je vois passer. Et j'ai vu des chiffres horribles en lien avec les réseaux sociaux. Alors, moi, je me méfie énormément de tout ce qui est témoignage. Si on me dit les gens se disent malheureux, je ne sais pas s'ils sont malheureux ou pas, parce qu'un témoignage, c'est pas fiable. Si on voulait vraiment savoir si les gens étaient malheureux, il faut leur mettre une électrode dans la tête pour les mesurer leur taux de différentes hormones. Je caricature à peine, mais ça serait beaucoup plus fiable. Et en fait, il y a malheureusement une statistique qui est mesurable, c'est les taux de suicide. Eh ben, les taux de suicide sont corrélés avec le temps passé sur Facebook et les réseaux sociaux. C'est assez monstrueux. Quand on va chez Facebook, il dit... ils ont l'impression d'agir pour le bien de l'humanité. La réalité, c'est que c'est probablement pas le cas.
Alors, c'est un outil, là, c'est la façon dont on s'en sert. J'ai rencontré des amis grâce aux réseaux sociaux. On fait des choses magnifiques. Je suis membre du comité scientifique de Team for the Planet. Team for the Planet, sans LinkedIn et les réseaux sociaux, ça serait beaucoup moins puissant. On arriverait à faire beaucoup moins de choses pour la planète. Néanmoins, les réseaux sociaux sont prévus pour nous voler du temps. Plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus les réseaux sociaux peuvent vendre nos datas et notre temps de cerveau disponible à des marques qui veulent nous vendre quelque chose. Donc ils ne sont pas là pour notre. Les réseaux sociaux ne sont pas à notre service, elles sont au service de ces marques. Nous, on est le produit. Et le produit, on ne le traite pas spécialement bien. On va déclencher chez lui un réflexe d'addiction en présentant des choses alarmantes. J'ai dit alarmante et pas alarmiste, hein, c'est très différent. Alarmantes, elles sont vraies. Et il y a une raison d'être alerté. Mais on va insister des fonctionnements d'addiction, on va inciter de la jalousie entre les gens. Je vais aller regarder si les autres ont une meilleure vie que moi, comme ça je serai dégoûté de ma vie et j'aurai envie de les imiter et envie d'acheter des trucs chez les clients des réseaux sociaux. Et ça, c'est destructeur. On a une courbe, le temps passé, en particulier chez les jeunes, mais c'est vrai à toutes les générations, avec des amis est en chute libre, et en échange, il est remplacé par du temps passé sur les réseaux sociaux. C'est terrifiant. Sachant que, pour être bien, c'est en grande partie un équilibre hormonal. L'hormone que les réseaux sociaux activent le plus, c'est la dopamine. Et ça, c'est facile. Il nous donne de la dopamine facile. Ce qui a des effets délétères parce qu'après, on n'est plus assez sensible à la dopamine, on a une accoutumance à la dopamine et on n'arrive plus à remplir les exercices. J'en suis moi-même victime parce que j'ai passé énormément de temps sur les réseaux sociaux et c'est très très dur pour moi de ne pas procrastiner. Et les réseaux sociaux ont amplifié ce défaut que j'avais probablement à la base. Et en revanche, il y a une hormone qui est extrêmement importante pour être heureux, c'est l'ocytocine, si je ne me mélange pas. Les hormones du sentiment d'appartenance, ben ça, vous ne la développez jamais autant que quand vous êtes vraiment avec des gens. Ça marche pas très bien quand vous êtes sur un réseau social. Et donc, on a des carences, des excès de certaines hormones, des carences d'autres, au simple fait d'être sur ces réseaux sociaux, et ça nous détruit quelque part. Donc, les réseaux sociaux, c'est un outil, servez-vous-en à bon escient, et utilisez-vous pour vous connecter avec vos amis et aller voir vos amis en présentiel. Connectez-vous avec vos voisins. Parce que si ça se trouve, vous pouvez super bien vous entendre avec vos voisins, on ne connaît pas assez ses voisins. Les réseaux sociaux, c'est un peu une illusion. Il faut vraiment faire très attention, c'est un piège qui n'est pas fait pour nous, c'est un piège qui est fait pour nous utiliser. Justine, toi, c'est quoi ton rapport justement aux réseaux sociaux? Est-ce que tu y passes beaucoup de temps? Comment tu les utilises? Est-ce que ça a un impact sur ton bonheur? Oui, je dirais que ça a un impact sur mon bonheur. C'est vrai que ma génération est née avec les réseaux sociaux, donc on les utilise, ils sont partout. C'est assez difficile de pas les utiliser. Et complètement, surtout quand on s'intéresse aux sujets environnementaux et d'écologie, à toutes ces questions-là, les algorithmes qui sont derrière les réseaux sociaux font qu'on peut être vite enfermé dans des bulles. Alors soit c'est justement, on va avoir que des articles sur des choses qui se passent alarmantes, sur la sécheresse, sur les rendements agricoles, sur le réchauffement climatique, etc. Y a aussi l'autre aspect l'autre pendant qui fait que, par exemple, sur LinkedIn, on va suivre des activistes, des gens, donc on a l'impression qu'il y a plein de choses qui bougent et finalement on oublie qu'il y a encore énormément de travail et que parfois, c'est une grosse désillusion, même quand on se rend compte qu'il y a tout un pan de la société qui justement n'a pas encore intégré tous ces enjeux-là. Donc, c'est vrai, je suis totalement d'accord qu'il y a des enjeux. Dans le collectif, du coup, pour arriver avec Logique, on se sert aussi des réseaux sociaux comme un outil. Et c'est vrai que notre force de frappe, on la doit quand même grandement aussi aux réseaux sociaux parce que. On a des gens qui nous suivent et qui voient les posts que l'on met pour sensibiliser, pour dénoncer du greenwashing par exemple. Donc il y a un danger à titre personnel, c'est vrai que ça provoque pas mal d'ascenseurs émotionnels, je dirais, d'être sur les réseaux sociaux et d'être submergé d'informations, comme disait Marianne. Mais d'un point de vue
utilité, on va dire, on essaye de, par mon engagement voilà, dans le collectif, on essaye de l'utiliser pour faire passer des messages qui soient le plus, disons, utiles à la société possible. Quoi. Est-ce que Alexandre, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec le constat, hein, cyberharcèlement, addiction, captologie, toutes ces disciplines, enfin tous ces mots-là sont pour désigner les troubles liés aux réseaux sociaux, la ring anxiety, la peur de rater un appel, le ghosting, le breadcrumbing, enfin il y a un nombre d'acronymes, il y a quasiment un nouveau dictionnaire qui est inventé pour parler des affres liées aux réseaux sociaux. Peut-être un petit peu de nuance pour autant, c'est par exemple l'effet de comparaison. On voit que les gens qui se comparent lorsqu'ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, le fait de se comparer sur les réseaux sociaux est source d'émulation et l'effet de se développer et acquérir des nouvelles compétences. On voit aussi que les gens qui sont des utilisateurs modérés des réseaux sociaux, en fait, voient plus leurs amis, en ont plus, et lorsqu'ils les voient, ont des amitiés plus solides, avec plus de soutien, plus de confiance, une meilleure qualité d'amitié. Donc moi, j'aurais tendance à dire que on a besoin, alors c'est un peu plat ce que je veux dire, parce que chaque fois qu'on dit qu'il faut mettre un truc dans le système éducatif, c'est comme si on disait rien, parce qu'il y a déjà plein de choses à mettre dans le système éducatif, mais je vais quand même le dire, et ben, la semaine de la presse et des médias, je pense qu'elle devrait être transformée en la semaine des presses, de la presse, du digital et des médias, pour développer des meilleurs usages. Quand même, rappelons-nous que 52% des téléchargements de WhatsApp sont faits pour créer un groupe familial. Comment ça s'appelle Laure, la gazette familiale, Familéo, connecte 2 millions de familles avec des seniors en EHPAD grâce à un outil digital. Que si avant de voir des amis, je leur envoie un message sur les réseaux sociaux pour dire je vais être content de te voir, qu'après je leur envoie une photo sur les réseaux sociaux, et ben, j'étends l'empreinte amicale et l'expérience positive de cet événement. Que si je poste plutôt des groupies, alors moi je connaissais pas ce mot, enfin si je le connaissais en mode Rolling Stones, mais là il s'agit du mot opposé à selfie, donc au lieu de prendre un selfie, tu prends un groupie, et le groupie t'es avec tes amis, et si tu prends un groupie, alors en fait tu renforces ton appartenance amicale. Et on peut continuer comme ça, polémique c'est un réseau social dont la devise est de permettre le débat, télépathe sa devise c'est be kind, et donc on voit quand même qu'il y a une émergence d'outils et de pratiques autour des réseaux sociaux qui de notre point de vue à Farissa peuvent le rendre vertueux, ça, il ne l'est pas aujourd'hui, pas nécessairement, mais un peu d'espoir là-dessus, on a une étude sur le sujet, allez la voir sur notre site web, ma conclusion ça sera reprenons la main. Et hashtag MeToo, hashtag je me coupe les cheveux quand je suis une femme iranienne, on a le pouvoir et c'est d'abord où ça peut être un outil d'émancipation pourvu qu'on soit des utilisateurs conscients. Et je pense qu'ils nous rassemble vraiment, c'est le digital pour enrichir et émanciper et donner de la puissance à la vie et pas s'y substituer. Très bonne transition au sujet suivant, qui est concrètement, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de nous rendre heureux ? Marianne, selon toi, est-ce que le bonheur des générations actuelles, il repose sur les mêmes données, les mêmes points que le bonheur des générations d'avant ou potentiellement d'après ? Comme je le disais au début, c'est vraiment quelque chose qui est subjectif, le bonheur. Et ça, indépendamment en fait, des générations. Donc on va voir qu'il va y avoir des dimensions et des facteurs un peu clés qui vont être la famille, les relations sociales, le confort. Néanmoins, il y a cette subjectivité-là. Ça serait facile en fait de dire c'est ce qui se dit beaucoup par les parents et grands-parents aux jeunes aujourd'hui. Oui, mais moi, quand j'avais ton âge, je devais aller travailler, ou quand j'avais ton âge, j'avais pas à manger, ou j'ai vécu la guerre, mon père était parti, nanana. Alors oui, effectivement, il doit y avoir des traumas énormes, et en fait, c'est difficile d'imaginer le bonheur dans ces situations-là. Néanmoins, aujourd'hui, peut-être que les jeunes ont peut-être plus de confort. On a peut-être plus d'opportunités, on a accès à la santé et à l'éducation, mais il ne faut pas minimiser ce qu'ils vivent, les problèmes auxquels ils sont confrontés et les crises qu'ils vivent aujourd'hui, comme tu disais, écologiques, économiques, etc. En fait, les critères sont différents et ça serait impossible de les citer parce que c'est vraiment trop subjectif. Ce qui te rendra heureux me rendra pas, enfin heureuse me rendra pas forcément heureuse moi. Et voilà. Et surtout, chaque génération finalement a ses problématiques spécifiques et ses sources de bonheur ou de malheur. Justement, toi, Joël, tu nous as fait une petite introduction tout à l'heure, mais qu'est-ce qui concrètement permet d'être heureux aujourd'hui ?
Alors, je vais même être plus large, ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça va être particulièrement prégnant. Alors, j'ai une bonne nouvelle. On n'est jamais autant heureux de vivre que quand c'est la merde et que c'est dur de vivre. Alors, je suis auteur de chansons de vulgarisation scientifique, mais là, je vais vous citer les paroles d'une chanson qui n'est pas de moi, qui est de Jean-Jacques Goldman, que vous connaissez, qui dit « il n'y a pas... » On veut que tu nous les chantes. Il est un peu timide, pas vraiment, mais allez, vas-y. Non, je ne suis pas vraiment timide, mais... Donc, je vais quand même finir celle-là et j'en ferai une autre. « Il n'y a pas de suicide au Sahel, ni de psychiatre en plein désert. » Alors, je n'ai jamais vérifié les statistiques, mais ça ne me surprendrait pas. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est quand c'est la merde, les humains veulent vivre et s'entraident. Il y a un excellent, enfin non, il y a un bouquin que j'ai pas lu, mais dont le titre me paraît, mais je trouve ça génial, qui s'appelle Paradise Born in Hell, qui rappelle que quand c'est la merde, les humains s'entraident et on a vu ça. Moi, je me souviens d'une scène qui m'avait marqué, l'ouragan Katrina, si je me mélange pas d'ouragan, ils ont toujours des noms en A, donc c'est difficile de les différencier. Vous avez des voisins noirs et appartenant au Ku Klux Klan qui sont allés s'entraider. C'est quand même magique. Et plus ça va être la merde et plus les liens sociaux vont se retisser. Or, on est heureux, comme nous sommes des animaux sociaux, on est heureux quand on appartient à un groupe et qu'on aide le groupe. Donc, la bonne nouvelle, on va être heureux parce que ça va être la merde. C'est assez amusant à dire comme ça, mais c'est pas complètement idiot. Et donc, je vais pour faire plaisir à Alexandre, je vais faire une petite chanson. Tiens, je vais vous faire un petit passage. C'est, j'ai fait une chanson sur l'éco-anxiété. Et cette chanson, elle est tirée d'une chanson d'Emmanuel Moire que j'ai trouvée exceptionnelle, qui s'appelle « Beau malheur », où il parle de ses souffrances d'avoir grandi sans sa mère ou en tant qu'enfant orphelin. Et donc, je m'en suis servi pour parler d'autres émotions et d'éco-anxiété. Et donc, le refrain, ça donne... Le refrain, en fait, c'est pas un refrain parce que je change de parole à chaque fois, ça donne « Je peux seulement te dire... » Je suis désolé pour décorcher la chanson. Je peux seulement te dire que j'ai connu ta peur, c'est l'éco-anxiété, que c'est né la douleur face à un monde aveuglé, qu'il m'a fallu les pleurs pour pouvoir m'engager, que ce n'est pas la rancœur qui m'a permis d'encaisser. Je peux seulement te dire ce qui soigne mon cœur, ce qui soigne mon cœur en douceur. Et toute la chanson, elle explique que nos émotions désagréables sont là pour nous mettre en mouvement et que ce qui nous ronge, c'est l'inaction. Et que si on veut être heureux, bah, y a pas le choix, faut se bouger le cul. C'est aussi con que ça. L'inaction, c'est comme un piège, c'est un pari perdant. Quand le monde se désagrège, elle te ronge du dedans. Donc, et la conclusion, c'est mettons-nous en action, soyons des héros. On a le choix entre être des héros ou des victimes, c'est vachement plus cool d'être des héros. Donc, rendons le monde meilleur et allons-y, soyons heureux en rendant le monde meilleur. Alexandre, est-ce que toi, t'es d'accord là-dessus ? Est-ce que t'as des choses à rajouter ? Déjà, j'aime bien l'idée chansonnette. Je trouve ça chouette. Je pense qu'on a besoin d'autres formes de communication pour partager les choses. Après, tout ce qui permet de favoriser les liens humains, je pense que c'est un besoin fondamentale qui est transgénérationnelle. Donc ça, oui, mais c'est pas spécifique aux jeunes. Une deuxième idée, c'est on a travaillé sur le vieil héros à la Fabrique Spinoza et on a eu plusieurs sous-titres pour notre étude et l'un des plus beaux sous-titres qu'on a changé finalement, c'était pour une société de tous les âges. Je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dessus, arriver à retrouver des liens. C'est sympa là d'être entre jeunes et vieux à cette table. Non mais c'est vrai. Quand même qu'entre jeunes, ouais, qu'entre jeunes, que ouais. Et en fait, ma belle-grand-mère, 99 ans, Cookie, elle va en EHPAD pour aider des petits vieux qui ont 80 ans qui sont pas en forme. Vous avez des étudiants qui, en échange d'un logement ou d'un repas moins cher dans des cafétérias, vont lire à des personnes âgées. J'ai l'impression qu'il y a cette capacité à confronter nos modèles et à faire lien entre nous. Par-delà nos différences, et on parlait d'ocytocine, les seniors génèrent plus d'amour en termes de neurotransmetteurs que les jeunes, donc ils ont beaucoup à nous donner. Donc voilà une deuxième idée. Et puis une troisième qui est peut-être plus frappante, et je terminerai là-dessus, c'est, je pense que, pour parler vraiment des jeunes, ils sont plus sujets aux autres générations
à la schizophrénie de valeur. Et je pense que moi, j'appartiens à une génération où je pouvais encore tranquillement avoir main droite, main gauche, poche droite, poche gauche, dire un truc, je fais un autre truc. Et que quand on est jeune aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que la prégnance des enjeux sociétaux fait qu'on est, ils sont en permanence projetés sur nous. Et la schizophrénie, elle est double. Elle est d'une part entre ses valeurs à soi et celles du monde extérieur. Est-ce que je vais aller travailler dans cette entreprise qui me permet de payer mon loyer, d'avoir un CDI, ou aller à un autre endroit où je trouve vraiment du sens, donc monde interne, monde externe. Et ensuite, deuxième schizophrénie, peut-être plus dure encore, c'est la schizophrénie entre ce que je souhaiterais faire et ce que je n'arrive pas à faire moi-même, parce qu'on est tous des êtres d'incohérence et incongruents, en partie au moins. Mon meilleur ami Cyril dit « Le monde se porterait mieux, non pas si les gens étaient plus gentils, mais s'ils étaient plus alignés avec qui ils sont vraiment. » Et on va lancer une étude sur la jeunesse épanouie, donner, redonner, faire confiance à la jeunesse. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le nous. Et pour cette étude, on a rencontré l'ADEME et l'ADEME nous disait « Attention, les jeunes ne sont pas qui vous croyez. On a cette image merveilleuse des jeunes qui veulent sauver la planète, mais ils sont à fond à faire des achats de seconde main en oubliant les impacts logistiques et l'appel d'air que ça crée à réaliser ces achats. » Et ce n'est pas du tout pour blâmer les jeunes, entendons-nous. C'est juste pour dire que on a une capacité à la schizophrénie qui est extrêmement importante et que les jeunes seront moins en souffrance ou seront plus heureux plutôt, puisque c'est quand même le thème, lorsqu'ils arriveront à résoudre ces incohérences internes, externes et internes de soi-même avec soi-même. Toi justement, ma Justine, tu t'es engagée au sein de Point Réveil Écologique, peut-être aussi pour chercher du sens et de la cohérence. Est-ce que cet engagement-là, l'action qu'il y a derrière, elle te rend, elle participe à ton bonheur aujourd'hui ? Oui, totalement. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, en effet, c'est cette schizophrénie qui a poussé à la base à la création du collectif, parce que nous on a appelé, d'autres gens l'appellent dissonance cognitive, justement entre, par exemple, l'exemple qu'on prend souvent c'est à quoi ça sert de prendre son vélo pour aller au travail si ensuite on va faire, si notre travail consiste à faire des financements pour des grands projets pétroliers ou gaziers par exemple. Et c'est ce que tu disais. C'est pour ça qu'on a voulu. L'idée du collectif, c'était justement de faire un appel aux entreprises en disant nous, on ne veut plus de cette dissonance cognitive parce qu'on n'y arrive plus à avoir cette main droite et cette main gauche qui agissent différemment et en incohérence. Et donc, l'engagement, pour revenir à ta question, dans le collectif pour un réveil écologique, ça m'a apporté. Deux choses, et je pense que c'est le cas de la plupart de mes camarades là-bas. D'une part, l'utilité sociale. Je parlais au début d'impuissance, on se sent impuissant et on constate en fait le décalage entre les actions et les enjeux. Et en fait, le fait d'agir, justement, ça, c'est une petite pierre à l'édifice, mais ça contribue à combler un petit peu ce décalage et à se sentir utile à la société, trouver une place et un sens à l'action. Et la deuxième chose, c'est la création de liens. Quand je me suis engagée dans le collectif, j'ai rencontré des personnes qui avaient exactement les mêmes problèmes que moi à la base, donc les mêmes, chacun, c'est subjectif également, mais des sentiments, voilà, les mêmes interrogations, des sentiments qui peuvent être similaires, et on n'est pas tous d'accord sur tout, on n'est pas tous alignés sur tout, mais on a envie de faire quelque chose de positif pour la société, et en fait, m'engager dans le collectif m'a permis de créer des liens avec des gens qui étaient enthousiastes pour agir et pour construire un monde meilleur et qui n'était pas juste inactif et impuissant. Merci à tous pour toutes vos réflexions. Est-ce que un de vous a quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux questions ? Moi, déjà, je voudrais rajouter un point sur... c'est le sentiment d'impuissance qui nous met vraiment mal à l'aise. L'émotion désagréable nous donne envie de bouger. Le sentiment d'impuissance nous paralyse. Et en fait, on a une émotion qui nous dit quelque chose et un sentiment d'impuissance qui dit non, tu bouges pas. Et le fait de passer à l'action, même des petits gestes, eh ben ça y est, le sentiment d'impuissance, il est écrasé. Il peut pas lutter contre la réalité. T'es déjà dans l'action, c'est que t'es pas impuissant. Et c'est super fort. Et je voudrais rajouter un point important sur c'est quoi être jeune, selon moi. Parce que ça m'a fait penser ce qu'Alexandre a dit... ça m'a fait repenser. C'est un peu une caricature, ce que je vais dire. Quand on est vieux, on se bat pour ses acquis. Quand on est jeune, on se bat pour l'avenir. Donc moi, j'espère être jeune toute ma vie.
Et on espère que les personnes dans le public aussi. Est-ce qu'il y a des questions justement à nos intervenants? Levez la main s'il y a des questions. Je vois pas de questions. Allez-y. Non, mais t'inquiète pas, on va peut-être prendre la question juste avant et après on aura. Allez-y, monsieur. Je viens d'arriver il y a 10-15 minutes. J'étais là ce matin, mais là je viens d'arriver. Est-ce qu'on peut faire un commentaire au lieu d'une question? Bien sûr. Super. J'ai beaucoup aimé la générosité. Est-ce que ma voix est suffisamment forte ou pas? Il vaut mieux un micro. Bon, venez sur scène. Mais je pense que c'est très bien comme ça. D'abord, j'aime beaucoup la générosité de Joël. Parce que chanter et donner aux autres aussi simplement, et ce n'est pas facile de chanter devant tout le monde. Donc je pense être heureux, ou en tout cas avoir de la joie, d'une forme de générosité et d'audace. Donc ce qui peut apporter aussi du bonheur, c'est aussi une forme de générosité et d'audace. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce qu'a dit Justine sur l'action et le lien. Et qu'effectivement, je pense que le lien contribue fortement à des joies. Peut-être le mot bonheur, c'est un mot immense et qui suggère une continuité. Je préfère plutôt parler de beaucoup de joie. Et beaucoup de joie, même avec des moments difficiles, ça apporte quelque chose de superbe. Et c'est déjà immense. Mais effectivement, le lien, c'est quelque chose de très fort et qui peut contribuer très fortement. Si en plus, il y a une cause commune, ce que tu as suggéré également, écoutez, j'ai envie de dire double bonheur ou triple joie, je vous laisse choisir. Donc générosité, audace, lien et action commune, eh bien, ce sont quelques axes possibles, des chemins possibles pour la joie et pour le bonheur. Merci beaucoup, une très bonne conclusion de la conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En particulier des jeunes dans la salle qui voudraient réagir, parce que il y a des jeunes sur scène, mais quand même on parle des jeunes et l'idée c'est de savoir si ce qu'on dit fait sens, y compris des rébellions, disent non mais arrête, qu'on arrête de nous caricaturer, qu'on arrête de parler pour nous. Enfin moi ça m'intéresse ce type de réaction s'il y en avait. Est-ce que les jeunes dans la salle veulent s'exprimer? Non. Ah ouais, pardon. Bonheur, j'aime bien les idées de joie partagées, des moments en fait, parce que le bonheur c'est quelque chose qui me paraît assez comme un idéal inatteignable, et j'aime bien l'idée du collectif aussi, c'est-à-dire le partage dans un collectif, mais tout en gardant des singularités, parce que je crois que beaucoup de jeunes ont peur de perdre ce qui fait leur unicité, je ne sais pas comment le dire, unicité. Voilà, ou leur particularité, ils ont peur de se fondre dans quelque chose. Mais l'engagement, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Et à travers la diversité des autres, on arrive à trouver finalement des choses communes. Et par des petites choses, je crois beaucoup aux petits actes du quotidien. Et après, j'ai une réflexion parce qu'on parle beaucoup de schizophrénie. Moi, ça me gêne quand on parle de schizophrénie parce qu'en fait, c'est des troubles mentaux. Et donc, c'est quelque chose... Pour moi, il faut arrêter de parler de schizophrénie. Excusez-moi. Mais donc, alors que je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est moi qui l'ai utilisé. Mais non, non, mais... Non, vous avez totalement raison. Je présente mes excuses. C'est par abus de langage. Dissonance cognitive, c'est mieux, ou incohérence. Ouais, et c'est explicite, mais pour les personnes qui souffrent de ces troubles, oui. Ça peut être... Vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention et merci pour la chanson. J'en ai 18 si vous voulez les écouter. Et j'en ai une qui correspond à ce que tu disais sur les incohérences des jeunes. Elle est très rigolote, celle-là. Merci beaucoup. Est-ce que Alexandre, tu veux finir cette conférence par une petite chanson, comme on te l'a demandé? Non, c'est gentil. Je suis pas timide, mais j'ai eu la chance d'être invité à faire un slam ce matin. Mais je vais pas. Je dis rarement non, mais là, c'est un slam qui a rien à voir. C'est sur l'entrepreneuriat. Et les angoisses de l'entrepreneur, donc c'est hors sujet. Bon, mais merci à tous. Si vous avez un petit mot à rajouter, ou sinon on va clôturer la conférence. Je pense que c'est OK, pas de questions dans la salle non plus. Mais merci de nous avoir partagé vos réflexions sur ce sujet assez complexe. Peut-on être heureux à 20 ans en 2023? Je vous propose de les applaudir.